Bonjour les amis, bonjour. Je viens aujourd'hui avec une petite recette. Comment chasser, comment faire fuir les mouches, les insectes, ces petites fourmis qui sont dans nos cuisines, bien dans nos maisons. Et comment le faire naturellement? C'est simple. Nous avons la chance que le Seigneur nous a donné des plantes et que nous utilisons vraiment à bon escient et qui ne sont pas chères. C'est pour ça que nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Donc, comment chasser naturellement les fourmis qui nous embêtent dans notre maison? Nous utilisons le clou de girofle. Vous voyez cette plante aromatique qui a beaucoup de propriétés, qui a beaucoup de vertus. C'est ça, comme vous voyez là, clou de girofle. Une plante qui a allongé un peu la tête comme du clou, d'où son nom de clou de girofle. Et vous prenez du citron, que ce soit du citron vert. Cette plante aussi qui est riche de propriétés, que ce soit vert ou bien du citron jaune, associé à des clous de girofle, ces deux éléments font fuir, dégagent, c'est-à-dire ces deux éléments dégagent une odeur, un parfum qui fait fuir les insectes, les mouches, les fourmis. Comment faire? Nous passons à la pratique. Et vous pouvez acheter 2 citrons, 5 citrons, 10 citrons, ça dépend de l'espace de chacun. Et quand vous achetez du citron, vous les coupez en deux. Prenez du citron, vous coupez en deux et vous enfilez chaque partie avec les clous de girofle. Vous mettez les clous de girofle, vous enfilez comme ceci, comme vous voyez là, comme je fais là. Vous enfilez jusqu'à obtenir ceci. Voilà du citron que j'ai enfilé sur ça, les clous de girofle là, vous voyez. Là, c'est du citron jaune ou vert. Donc, faites comme ceci. Vous pouvez avoir, si vous avez acheté 5 citrons, vous aurez 10. Si vous avez acheté 10 citrons, vous aurez 20 parce que vous aurez divisé en deux et vous allez enfiler, enfiler. Quand vous enfilez, ça dégage un bon parfum. Vous mettez dans le coin de la maison, là où il y a des fourmis, dans la cuisine, là où il y a les mouches. Vous laissez là l'association de ces deux éléments, de ces deux plantes. Donc, l'association du clou de girofle et du citron va faire fuir les insectes, va faire fuir les mouches, va faire fuir les fourmis. Parce qu'il y a une odeur que cette association dégage que les insectes ne supportent pas. Mais par contre, l'être humain, cette odeur est très bonne. Ça parfume la maison naturellement et ça fait dégager une bonne odeur dans la maison. Mais par contre, ça fait fuir les insectes. Ça fait fuir les mouches. Donc, essayez cette recette du citron avec les clous de girofle. Vous mettez dans le coin de la maison. Vous ferez fuir toutes les mouches, tous les insectes, toutes les fourmis qui vous emmerdent. Merci d'essayer et ciao!